Monsieur le secrétaire général administratif de l'Université de Monet Ditou, Monsieur le Président et très cher membre de la commission électorale, chargé d'organiser les élections de la délégation de la coordination estudiantine, très chers membres des bureaux facultaires en vos titres et qualités respectées, messieurs les professeurs, très chers chefs des travaux, messieurs les membres du personnel scientifique, bonjour. Nous sommes ici réunis en cette journée, dans cette salle mythique de l'Université de Monet Ditou pour une cérémonie spéciale. Il s'agira de l'investiture solennelle de la délégation de la coordination estudiantine de notre alma mater. Au même moment, il y a les délégués facultaires, il y a les équipes promotionnelles qui doivent aussi être investies. Et c'est une première à l'Université de Monet Ditou. Pourquoi ? Puisque c'est une élection qui a eu lieu pour une première fois, mais également cette investiture témoigne de la bonne collaboration entre l'actuel comité de gestion et les étudiants que vous êtes. Voilà pourquoi vous êtes tous mobilisés à cette occasion, en cette journée, pour procéder à l'investiture des différents comités qui ont été élus dans toutes les promotions jusqu'à la coordination estudiantine. Les programmes prévoyaient, comme vous l'aviez reçu avec les communiqués, que la cérémonie devait être devait débuter à 12h juste. Mais le temps a leur caprice. Nous commençons avec plus d'une heure de retard. Nous nous excusons pour cela. Nous allons démarrer cette cérémonie par l'hymne national que nous allons tous entonner. Ensuite, s'ensuivra la lecture des procès-verbaux des publications des résultats définitifs, ce qui sera fait par le président de la commission électorale. Ensuite, viendra la lecture de l'acte d'investiture par le recteur de l'Université de Monet Ditou, qui est ici représenté valablement. Enfin, ça sera la lecture du mot du président de la coordination estudiantine que vous aviez élu légitimement. Et cette journée pourra se clôturer, ou cette cérémonie devra se clôturer, encore une fois, par l'hymne national. Cela étant, je nous invite à bien vouloir nous tenir debout pour entonner l'hymne national et marquer le début de cette cérémonie. Nous
électorale pour deux choses. Il pourra nous présenter le membre de la commission qui a procédé à la cérémonie de toute cette organisation des élections. Ensuite, il s'agira de la publication du PV ou de la lecture du PV des résultats de ces élections. Monsieur le Président, nous vous invitons ici devant. Vous aviez la parole pour la lecture du PV, présentation des membres de la commission. Moussa Diar, oh. Moussa Diar, oh. Tout en appréciant déjà votre discipline et votre attention, nous vous demandons de garder le même élan, le même climat pour que tout soit fait dans le calme et la sérénité. La parole que vous m'accordez sur décision rectorale numéro 50/2022 du 2 août 2022 portant composition de la commission électorale de la coordination étudiantine de l'Université de Mwene-Ditou année académique 2021-2022. Il a été mis en place la commission chargée d'organiser les élections des membres de la coordination étudiantine, composée de la manière suivante. Sont nommés au poste susvisé les personnes dont les noms suivent. Le président de la commission, le chef des travaux Anasta Kazadi Matanda, directeur du cabinet de M. le recteur de l'Université de Mwene-Ditou, moi votre humble serviteur. Le vice-président, Maître Papi Chibangu Mutombo, conseiller juridique de l'Université de Mwene-Ditou, il peut se tenir debout. On peut applaudir quand même. Le secrétaire exécutif, chef des travaux, Kansé Omutanda Pierre, chargé des relations publiques de l'Université de Mwene-Ditou. Le premier rapporteur, M. l'assistant Benoît Mbala Kabuya, assistant principal du secrétaire général académique, il est au cours en bougement pour son troisième cycle. On peut quand même applaudir. Deuxième rapporteur, chef des travaux Richard Tiama Tibanda, assistant principal du secrétaire général administratif. Il est parmi nous, il est doctorant. Et comme membre de la commission, nous avons l'attaché de recherche Kombelodi Godefroy, secrétaire académique des sciences économiques et de gestion. C'est un doctorat, il est en bougement pour les études. Donc, aussi applaudir. Deuxième membre, attaché de recherche Donna Soulou, secrétaire académique de sciences politiques, sciences juridiques, politiques et administratives. C'est un doctorat, mais heureusement, il est parmi nous. Troisième membre, chef des travaux, Damien Ilunga Tibangu, secrétaire académique de sciences à la faculté de sciences des santé. Un doctorat, mais il est parmi nous. Et cette commission, à l'article 4, était chargée d'organiser et superviser les élections des membres de la coordination étudiantine, d'élaborer le calendrier électoral, de recevoir les candidatures à des différents postes, d'appliquer et faire respecter le règlement électoral, de recevoir et traiter les dossiers liés au contentieux et la publication des résultats des élections, qui consacre automatiquement la dissolution de la commission électorale. Ainsi signé par M. le recteur, le professeur ordinaire, Tibangu Mwamba Innocent. Après organisation des élections,
Le résultat, selon le PV établi, se présente comme suit. La délégation... Là, nous allons vous demander, une fois que Monsieur le Président lit ou cite votre nom, les différents délégués, vous allez passer, n'est-ce pas? Donc, tous les délégués, coordination estudiantine, il faut passer ici devant. Et d'abord, délégué, coordination estudiantine, ensuite, délégué facultaire, les CP derrière. Et au moment de l'investiture, nous allons vous demander de tourner et l'autorité pourra procéder à votre investiture. Merci bien. Les élections se sont déroulées à trois phases. La première phase était consacrée à la délégation générale. Deuxième phase, délégation facultaire. Et enfin, les membres des équipes promotionnelles. Concernant la coordination générale, sur 465 étudiants votants, les résultats se sont présentés comme suit. A été élu délégué général de la des étudiants de l'Université de Monédite pour cette année académique, M. Mwambangoi Abraham, étudiant de jeu de droit avec 211 voix. Qui prévoit que la délégation générale, lorsque le délégué est du sexe masculin, l'adjoint doit être du sexe féminin. C'est ainsi que a été élue déléguée générale adjointe Mademoiselle Bouyamba Matanda Vloasi, étudiante de première licence droit. Sciences économiques. Cinquième membre, c'est l'étudiante Matanda Chibangu Deborah de première licence informatique. Voilà, la coordination générale est composée de 5 étudiants. Le délégué général, la déléguée générale adjointe, plus 3 membres. Après cette délégation générale, nous avons maintenant les délégués facultaires. Faculté de sciences juridiques, politiques et administratives a été élu délégué facultaire Monsieur Kalombo Kamutanda Samuel, étudiant de première licence à la Il est secondé par l'étudiant Soulumu Tombo Robert, étudiant de première licence sciences politiques et administratives. Pour la faculté des sciences de santé, a été élu délégué facultaire Monsieur Bukasa Manyonga Bruno, étudiant de première licence santé publique. Il est secondé par l'étudiant Katia Moukoudiye Ilunga Antoine, étudiant en
étudiant de première licence sciences économiques. Il est également secondé par l'étudiante Kaji Kazadi Rachel. Parce que vous êtes nombreux, nous pouvons commencer à vous demander de passer. On vous voit et puis vous rentrez directement. Vous passez et rentrez. Donc, on commence avec la faculté des sciences juridiques, politiques et administratives. Deuxième licence droit. Vous, les autres, quand on vous appelle, vous passez, on vous voit, on applaudit pour vous. Étudiant de deuxième licence. Tu attends ton attendu par la demoiselle Nyongoni Mukendi, étudiante également de deuxième licence droit. On peut maintenant applaudir. La promotion de première licence droit, CP, Monsieur Ndala Mwamba Florimont. Et comme CPA, Mademoiselle Mbui Kalenda Evodi. Je ne parle pas, on peut applaudir. Troisième graduat droit. CPA a été élu CP, chef de promotion. Moukati Kawes Stanislas. Également étudiant de droit. Alors, nous pouvons aussi applaudir. Concernant la promotion de Bac 1 droit, deuxième licence LMP, a été élu chef de promotion, Monsieur Matanda Tshibanda.
Kassa n'est pas là, secondé par Samuel Mutonji. Première licence, chef de promotion Moussa Satibang.
Secrétaire général académique Moussanga Mwenya Walianga Kubabezaga Gilbert, professeur
ministériel numéro 249, mine sud, cap, mine ML, L, CD, GN, 2011, du 29 août 2011, portant autorisation du centre universitaire de Mouenedit dans la province du Kassai-Oriental, spécialement à son article premier. Vu l'arrêté ministériel numéro 290-MINESI-MM-RMN-2021 du 16 septembre 2021 portant désignation et nomination des membres des comités de gestion de l'université et de quelques établissements de l'enseignement supérieur et universitaire en ville de Kinshasa et en province de Lomami, en République démocratique du Congo, spécialement à ses articles 1er et 2e. Vu le vade-mecum du gestionnaire d'un établissement supérieur et universitaire, 3e édition, chapitre 3, spécialement à ses articles 1er et 2. Vu l'instruction académique numéro 023-MINESU-CAP-MINE-MNB-BLB-2021 du 6 décembre 2021 portant directive relative à l'année académique 2021-2022, spécialement à la directive 63. Vu la note circulaire numéro 007-MINESU-CAP-MINE-BLB-2021 du 14 juillet 2022 au chef d'établissement de l'enseignement supérieur et universitaire. Vu la décision rectorale portant numéro 2/2022 du 2 août 2022 portant composition de la commission électorale de la coordination étudiantine de l'université de Mouenedit pour l'année académique 2021-2022. Vu la décision rectorale numéro 1/2022 du 8 août 2022 portant règlement électoral de la coordination étudiantine de l'université de Mouenedit, année académique 2021-2022, spécialement à ses articles 2, 9, 23 et 24. Vu le procès verbal de l'élection du président de la délégation étudiantine de l'université de Mouenedit du 16 septembre 2022, attendu que les conditions d'éligibilité des membres de la coordination étudiantine ont été remplies par les candidats en course, attendu que les élections des membres de la coordination étudiantine de l'Université de Mouenedit, organisées le 15 septembre 2022, se sont déroulées dans le strict respect
de la démocratie et de la transparence. Déclarons ce jour installé et investi pour l'année académique 2021-2022 le président des étudiants démocratiquement élu et de toute la coordination étudiantine de l'université de Mouenéditou. Nous leur souhaitons un fructueux mandat fait à Mouenéditou le 22 septembre 2022. Le recteur de l'université de Mouenéditou, Tshibangu Mwamba Innocent, professeur ordinaire, ici représenté par le secrétaire général académique, M. Moussanga Mwenya Walianga, Koubabezaga Gilbert, professeur ordinaire. Voilà, merci. Nous demandons à monsieur le recteur ici représenté de bien vouloir s'asseoir avec le secrétaire général administratif. Et nous allons inviter tout de suite, avec les pleins pouvoirs qu'il a reçus, après son installation officielle, après son investiture officielle, il aura à prendre parole pour la première fois dans ses costumes et s'adresser à la population étudiantine, les moussadiardes et les moussadiardes que vous êtes. Camarades haut, oh. Camarades haut, oh. Camarades haut, oh. 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 Comité de gestion de l'Université de Mouenéditou. Madame, Monsieur, en cette journée, auréolée de l'honneur et de la joie pour l'ensemble de la communauté de cette alma mater en général et en particulier la masse étudiantine de l'Université de Mouenéditou. Qu'il ne soit permis de prendre parole du haut de la tribune magistrale avec votre bénédiction. Madame, Monsieur, gloire soit à l'Éternel qui est désarmé, maître de temps et de circonstances, pour avoir disponibilisé cet événement au ne peut plus important qui succède à mon élection à la tête de l'éducation étudiantine de l'Université de Mouenéditou. Je réitère toute ma gratitude au comité de gestion pour sa prompte magnanimité sans laquelle les îles ne seraient possibles, mais aussi mon attachement indéfectible à tous mes camarades, sans distinction aucune pour choix porté à mon équiste personne. C'est des moments les plus historiques qui doivent être écrits dans les annales de cette université, que nous devons écrire une page très délicate dans l'histoire de cette fontaine du savoir. L'unique université officielle de cette partie septentrionale de la province de l'Omami. Nul n'ignore que la gestion de la jeunesse étudiantine relève d'une sorte politique, d'un esprit duplexe, d'abnégation, car le monde des étudiants brave même le monde des politiques. Raison pour laquelle je vous exhorte à ne pas leur servir de marchepied pour leurs intérêts égoïstes, car c'est votre génération qui continuera les cadres du pays de demain, l'épine dorsale du développement de notre pays. Camarade O, les sages disaient, vieillesse savait, jeunesse pouvait. Vous avez tout intérêt de marcher dans les traces de nos encadreurs, car ils voient de l'intérêt, tout étudiant veut prospérer. Nos enseignants restent cette canne blanche de l'aveugle qui n'est une orientation efficace pour l'avenir radieux. Veuillez transcender l'orgueil
et l'amour propre. Des potentialités scientifiques, richissimes, capables de booster vos personnalités et l'honneur de notre université de Mwenedictu. En ce qui concerne notre mandat, nous le plaçons sous le signe de serviabilité, comme le stipulait un des ex-présidents de ce pays. Je cite, « Servir, oui, c'est servir, non. » Notre mandat n'est ni cadeau, ni une victoire, une charge que nous portons au service des autres pour l'émergence de cette jeunesse estudiantine et l'ancrage d'une modeste moralité en faveur du rayonnement requinqué de notre université de Mwenedictu, qui va se tailler une place au soleil dans les concerts des grandes universités du pays. Du reste, nous vous attestons. Mosala Ebandi, Kaj Kananza, Mosala Ebanda, Mujimu Wabangi, je dis je vous remercie. C'est pour cela que je vous aime beaucoup. Gardons la même discipline, nous allons accoster tout à l'heure. Messieurs le recteur de l'université de Mwenedictu, représenté en la personne du professeur ordinaire Gilbert Moussangamounia Olangia, Monsieur le secrétaire général administratif, professeur Crispin Koussamounaï, Monsieur le président de la commission électorale et très chers membres, Messieurs et distingués membres autorités facultaires, camarades étudiantes et étudiants, nous vous remercions parce que cette cérémonie a réussi grâce à tout votre concours. C'est ainsi que nous souhaitons encore une fois de plus beaucoup de bonnes chances, un mandat fructueux pour les différents comités qui ont été investis et installés en ces jours. Ils doivent comprendre que la tâche qu'ils ont n'est pas une tâche personnelle. Mais là étant, je voudrais demander à notre recteur ici représenté, à tout le monde, de bien vouloir nous tenir debout pour entonner l'hymne national. Et nous allons marquer la fin de cette cérémonie solennelle. Debout, Congolais. Une, deux. Debout. Congolais, unis par les sorts, unis dans l'effort pour l'indépendance. Laissons l'enfant longtemps courbé, et pour les bons, prenons les plus bel élan dans la dérobe éclatante. Parlez la belle. Tirons un pays bivocavant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité.
président Fabien Mamba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Investi aujourd'hui un mot de satisfaction. J'ai la joie de voir le soutien que l'université de Mwenedito m'a donné comme confiance. Aujourd'hui, je suis élu président des étudiants de l'université de Mwenedito. Santé, mes félicitations au comité de gestion pour leur volonté, parce que sans leur volonté, rien ne pourrait marcher. Donc, je suis le trait d'union entre les étudiants et le comité de gestion, et aussi faire notre université une grande université du pays. J'ai dit beaucoup merci sincèrement, je félicite, je les remercie avec tout cœur, et je les promets que je serai à leur service. Mon oreille est vraiment ouverte pour les doléances des étudiants, et je les remercie.